Salut les amis, alors voilà, on se trouve pour une vidéo un peu spéciale parce que là ça va clasher sec. Comme vous pouvez le voir, Ashikara se barre et il y a des dossiers à dire sur lui. Vous allez voir vraiment qui était Ashikara. C'est vraiment un enfoiré, moi je vais vous le dire. Et bien sûr que non. Si vous venez pour ce genre de vidéo, vous vous trompez complètement. Vous auriez bien aimé, hein, vous attendiez encore un clash, un truc comme ça, mais pas du tout. Pas du tout. Alors par contre, le titre est réel, hein, c'est pas une blague ça. Ça, c'est pas une blague. Le titre est réel. Est-ce que j'ai bien mis le son? Ouais, c'est bon. D'accord. Ouais, le titre est bien réel. Malheureusement, Ashikara part, quitte le siteedge.fr. Ashi, avec qui on a eu une belle aventure, puisque ça fait depuis le début du site. Hein. Depuis le début du site, il était présent. Voilà, donc ça fait quelque part, c'est une page qui se tourne. Mais très honnêtement, c'est pas plus mal. Alors, pourquoi cette vidéo? J'explique vite fait. Cette vidéo, parce que, premièrement, je suis sur ma chaîne secondaire. Je vous l'ai déjà expliqué, c'est une chaîne fourre-tout, j'y mets tout ce que j'ai envie d'y mettre. Donc, pour les gens qui disent « oui, on s'en fout de ce que tu nous racontes, nous on veut des tests », revenez sur ma chaîne principale. Voilà. Cette chaîne secondaire, c'est pour ceux qui s'intéressent un peu plus à la vie, à la communauté du site, voilà, aux avis différents que j'aurai sur des points, d'autres, bon bref. C'est du bonus si vous préférez cette chaîne. Voilà, donc évitez les commentaires du style « on s'en fout ». Voilà, tout est dit dans le titre. C'est normal que je vous rende un peu des comptes sur l'avancement du site, etc. de temps en temps. Le fait qu'Ashikara se barre, la moindre des choses, c'est de faire une vidéo là-dessus. C'est pas une vidéo clash ou quoi que ce soit, on est en excellent terme, il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Mais il y a des points à soulever, effectivement, et expliquer aussi pourquoi Ashikara part, c'est quand même important. Mais c'est pareil, comme je vous le répète, hein, que j'essaie de calmer tout le monde avant... quoi que ce soit, il n'y a rien, c'est vraiment une explication parce que les gens qui nous suivent et qui suivent la communauté, le forum, on vous doit ça. Pour moi, c'est un devoir de vous expliquer pourquoi. On ne peut pas juste changer des choses comme ça et puis rien vous dire. Voilà, donc je le fais en vidéo parce que c'est plus sympa et j'ai la flemme d'écrire. Voilà. Alors, Ashikara part tout simplement parce que, j'essaie d'employer les bons mots, il ne se sent pas chez lui sur Edge.fr. Je pense que c'est la meilleure phrase à dire. Il ne se sent vraiment pas chez lui et du coup, les objectifs qu'Ashikara a et que l'équipe avant, ça a toujours été un peu en décalage, toujours. Voilà, très concrètement, Ashi n'aime, enfin n'aime pas, je sais pas, c'est pas qu'il n'aime pas, mais se sent pas chez lui sur Edge.fr. Il a vraiment jamais vraiment intégré l'équipe, ça c'est une réalité. Et même son investissement, comme vous avez pu le voir sur le forum, était complètement anecdotique. Et voilà, il postait ses vidéos, il attendait. Puis pim, il les remettait après un peu partout, etc. Voilà. Déjà, nous, ça nous gênait. Personnellement, ça nous gênait. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Depuis longtemps, depuis trop longtemps désormais. C'était pas... Faire partie d'Edge.fr, c'est pas juste tu viens, tu postes tes vidéos, tu t'en vas. C'était pas possible. Et malheureusement, bon, on en a discuté à plusieurs reprises, etc. Et les choses n'avaient pas bougé. Et voilà. Et puis finalement, il se rendait compte qu'il n'était pas chez lui sur Edge.fr, qu'il ne sentait pas... Ce site ne lui appartenait pas pour lui. Alors que moi, j'ai vraiment toujours voulu pousser les gens à avoir un esprit d'équipe. J'avais même proposé de le renommer le site pour vous dire. J'avais dit, on peut même l'appeler Ashikara.fr ou ce que vous voulez, je m'en fous. On peut le renommer si jamais ça arrange tout le monde. Je suis d'accord. Après, c'est un vote. Hein, on est une équipe. Si les gens de mon équipe me disent oui, on renomme le site, on le renomme. Ça me dérange pas. Mais pour moi, c'est une idiotie. Enfin, c'est une connerie. J'ai toujours voulu mettre le site en avant avec une équipe. Je pense que je parle très souvent de mon équipe. Et je suis un tout petit peu blessé, pas du départ d'Ashikara, mais pour la raison. Ne pas se sentir intégré à une équipe, je veux dire pourquoi. Dans la mesure où j'essaye vraiment de me remettre en question et de pousser mon équipe vers le haut le plus possible. Voilà. Et que ce site, j'espère que pour les gens qui sont dans mon équipe, c'est pas une tare d'être dirigé, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, par moi, que je sois un peu le leader de ce site-là, parce que c'est moi qui l'ai monté, avec Toriyudo bien sûr, hein, mais je veux dire, c'est moi qui ai eu l'idée de le faire. C'est moi qui ai mis... j'ai passé énormément de temps dessus. J'en passe toujours autant. Tout ce qui est financier, c'est moi qui le gère. J'essaie de j'essaie de réaliser des conventions, j'essaie de créer quelque chose autour de ce truc-là. Avec mon équipe que j'emmène partout avec moi, le magazine, il y a mon équipe dedans. Je veux dire, le Edgemag, c'est pas juste moi qui parle, quoi. On est plusieurs, il y a P4C, il y a Ashi, il y a tout ça, enfin... Voilà, donc quelque part, effectivement, j'essaie de repenser, parfois de me remettre un peu en question en me disant, mais est-ce que tu es certain que tu l'as bien intégré dans l'équipe? Parce que Ashikara, tu l'as suffisamment mis en avant. Et j'ai réfléchi, puis finalement, je me suis dit, si,
Ouais, je pense vraiment l'avoir mis en avant. Mais dès qu'il publie une vidéo, tout de suite je le relaye sur mon Facebook, sur le Twitter, automatiquement. J'essaie vraiment de le pousser en avant. Voilà. Mais c'est vrai qu'en contrepartie, en retour, on a eu que trop peu de choses d'Hachi. Hormis ses excellentes vidéos, il n'y a aucun doute là-dessus, mais c'est pas suffisant. Tu pourrais être, je veux dire, joueur du grenier ou qui tu veux. Tu es sur le site, il faut que tu t'investisses beaucoup plus que ça. Et le public l'a ressenti, enfin vous l'avez ressenti, nous on l'a complètement ressenti. Au niveau du mag, hormis son article, il n'y a pas eu plus de participation, etc. etc. Voilà. Au sein de l'équipe, il y avait clairement un manque de participation, ce qui fait qu'on n'arrivait pas à tirer le site vers le haut. Donc je dis, voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce qu'il n'y a pas d'embrouille. C'est juste une conception du site qui était différente. Et Hachi qui n'arrivait pas à s'intégrer dans l'équipe parce que pour lui, ce site, c'était pas le sien. On est plus des collaborateurs, on va dire, avec lui que des amis. Alors que moi, je considère vraiment l'équipe comme une famille et c'est pas son cas. Donc du coup, automatiquement, ça faisait un moment que moi, j'y pensais personnellement de lui dire malheureusement de quitter le site. Mais il l'a fait de lui-même, donc c'est pas plus mal. Très honnêtement, c'est un mal pour un bien. Ça fait toujours quelque chose, parce que Hachikara est quelqu'un de très gentil et que j'estime beaucoup, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça, vraiment, aucun souci avec ça. Voilà, il est profondément gentil, mais malheureusement, son caractère ne colle pas. Pour moi, quand on fait partie du site Edge.fr, en tant qu'équipe, hein, c'est un investissement personnel. On s'en fout que ce soit bénévole ou pas, tu as décidé à un moment donné de faire partie d'un environnement, d'un cercle, d'une communauté, de quelque chose qui fait que tu dois beaucoup plus te donner. Et c'était pas suffisant ce qu'on attendait d'Hachikara. Et effectivement, il y avait que ces vidéos pour le sauver, entre guillemets. Et ces vidéos étaient excellentes, elles le sont toujours. Mais c'est pas suffisant. Voilà, c'était pas suffisant, ça me gênait beaucoup par rapport aux autres. On va prendre par exemple P4C. P4C, à un moment donné, on lui avait fait un reproche par rapport à ça, qui représentait pas assez de site, qui défendait pas assez son équipe, etc. Il a compris finalement ce que c'était qu'une famille, qu'une équipe, etc. Et là, il a complètement changé, il s'investit plus. Etc. Donc ça fait plaisir. Et Hachi, ça n'avait pas évolué et je pense pas qu'il en avait non plus envie. Voilà. Donc je. Il n'y a rien de fou dans cette vidéo, il n'y a pas de dossier, il n'y a rien de croustillant à attendre. Que c'est une page qui se tourne. Voilà. Comment va se dérouler la suite des événements, je ne sais pas. À vrai dire, pour l'instant, pour ceux qui demandent s'il y a une place vacante, oui et non. On va pas prendre de testeurs, ça c'est sûr. À moins que ce soit occasionnel, comme Hachi le faisait de temps en temps, il testait un truc. Mais au pire, de toute façon, il n'y aura pas de concours ou quoi que ce soit, mais au pire... Si vous avez déjà une chaîne qui est bien faite ou si vous comptez vous y mettre, etc., il faut venir déjà avec des vidéos déjà faites. Ça va plutôt être des dossiers comme le faisait Hachi, des chroniques, des dossiers ou du custom ou ce que vous voulez. Enfin, il y a quelque chose de nouveau à apporter au site. Ensuite, venez nous proposer, on verra. Voilà, c'est pas ouvert, c'est pas fermé, c'est entre deux si vous voulez. Voilà, donc nous, on va continuer à vivre comme ça avec mes vidéos et puis celles de P4C, il n'y a pas de souci. Mais... Sait-on jamais, si vous avez quelque chose à proposer, n'hésitez pas, on verra bien. Voilà, on se prend pas la tête. Les vidéos d'Hachi vont rester sur le site, hein, d'un commun accord. Donc elles vont rester sur le site, elles seront toujours consultables, il y aura toujours son nom, hein, Hachikara. Les boutons sur la gauche, Hachi va disparaître de l'équipe, puisque c'est des boutons qui évoluent en fonction des membres de l'équipe. Voilà, il va disparaître de l'équipe. Pour le reste de ces vidéos, elles vont être là. Hein, il y aura toujours sa section, mais il n'y aura plus d'upload des vidéos d'Hachikara, faut le savoir. C'est comme ça. Écoutez, c'est à peu près tout. De notre côté, on lui souhaite vraiment une bonne continuation de son côté. Hachi disait vouloir se faire un nom, enfin, vouloir être connu par son nom à lui. Et Edge, même si, quand on y réfléchit, Edge.fr à la base c'était censé être HEDG, c'était censé être le nom de deux leaders, DG et moi-même, qui menons notre équipe vers le haut. L'équipe de DG c'était Sid et Bibix, mon équipe c'était le reste. Bon, apparemment, ça pose des problèmes, je vais pas dire d'ego, mais un peu, quelque part, sans méchanceté aucune, où être sous la houlette de Edge, ça passe pas trop, ça le fait pas. Donc Hachi, franchement, je souhaite que ton nom soit reconnu de ton propre nom. Voilà, tu commençais, plus que commençais, je veux dire, à imposer ton nom, déjà dans les vidéos sur Edge.fr, tu mettais AK Prod. Au lieu de représenter le site, donc quelque part, tu voulais vraiment mettre ton nom en avant et ton site en avant. Donc, j'espère pour toi que ça va bien se passer à ce niveau-là, que tu vas continuer tes vidéos de ton côté. Je pousse les gens à aller voir tes vidéos, il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'est toujours de la bonne cam. Dans le Mac numéro 2, il y aura toujours le test d'Hachikara, parce qu'Hachikara avait rédigé un test. On ne savait pas trop quoi faire, on le retire, on le met. Donc il y sera toujours.
Voilà, ça sera sa dernière participation par contre pour le mag, hein. S'il y a un mag 3, 4, etc., il n'y aura plus d'Ashikara là-dessus. Et on va doucement, voilà, bah, la tanière d'Ashikara va disparaître par exemple sur le forum. De toute façon, comment dire, il n'y avait pas beaucoup de mouvement, donc ça n'a pas changé grand-chose. On va commencer doucement à retirer Ashi du site, voilà, ça va se faire progressivement. On te souhaite à tous de bonnes choses pour la suite. Merci encore pour ce que tu as fourni pour le site. Pour les vidéos que tu as fournies pour le site, pour être plus précis. Et puis une bonne continuation à toi. Voilà, passe un gros bonjour à ta compagne qui nous avait bien aidé le jour de la convention. Et merci à toi une nouvelle fois aussi pour la convention. C'était un bon moment. Qui sait, peut-être un de ces quatre. Ça a été un plaisir en tout cas. Bonne continuation à toi. Et à très bientôt. Ciao!